On se retrouve donc sur le Kikube et je remarque qu'il y avait des trucs, il s'est passé quelques trucs. Alors, je me suis reconnecté et en fait regardez. Et... Oh. What? Qu'est-ce que... Oh, ok. Bon, je me suis fait prank. Qu'est-ce qui est marqué sur le panneau? Oh. Mais non, mais c'est... Ouais, non, mais attends, ils ont quand même pas... Non, ils ont quand même pas fait tour de l'île quand même. Mais c'est pas... Ils m'ont fait un putain d'enclos. Mais c'est pas possible ça. Mais... What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Wow. Ah oui, mais il va loin le machin. Attendez, attendez. On va monter jusqu'à l'Hypice. Je veux quand même en avoir le cœur net parce que c'est pas possible. Ils ont pas fait... Ils ont pas... non mais si, je vous jure, ça doit faire le... Ils ont fait de barrières, ils m'ont mis en cage, ils m'ont mis en cage. Ils m'ont mis en cage, j'ai été... enfin j'ai été mis en cage. Mais c'est pas possible. Ah oui, non mais c'est... Je confirme. Ça fait vraiment le tour de l'île. Ok, bon, ben je sais de qui ça vient, si vous... Ben, vous rappelez que j'avais dit que j'avais enfermé Killer... J'avais mis Killer en cage dans un bac cage de bois quand il était FK. Et ben voilà le retour. Apparemment oui, c'est Griffin, il m'a dit tiens connecte-toi, tiens t'as une surprise. Et je me retrouve enfermé dans ma base. Enfin ça va pas jusqu'au bout mais visiblement je suis bien entouré. Il y a une barrière de... Non! Ils ont même... Oh non mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh attendez, je vais juste casser ça pour pouvoir passer dans le... Bon ce qui est bien ça me fait du fer mais je crois qu'on peut pas le recycler celui-là, c'est pas mal. Bon, vous savez quoi? Allez, on y va. Allez, bon, je vais le dans le laser. Voilà. Allez, moi, je peux sortir. Hein, non, mais où? Hein? Voilà, comme ça, je peux m'évader. Comme ça, je peux... Hein? Non, mais où, de quoi je me mêle? What? Ils ont... Mais putain, mais quelle bande de... Oh, non! Ok, ah, mais jusque dans le laser, c'est sérieux? Oh, non, mais c'est pas vrai. Non mais... Bon ben voilà hein. Allez bon écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais enlever toute cette prank. Et on se retrouve juste après. Je me retrouve enfermé chez moi parce que vous pouvez voir que j'ai un petit souci. Je peux plus sortir. Je peux plus sortir. Ils m'ont mis, j'ai un putain de la, un putain de truc de lave devant porte. Si je peux absolument pas sortir, il va falloir que j'aille casser ça. Franchement, ça va être l'épisode de où je me fais pranker, mais alors en voiture, en voilà. Je vais essayer de sortir de là tranquillement. On va faire ce que j'ai voulu faire, enfin ce que je voulais vous montrer plutôt. Et je vous dis à tout de suite. Bon, bah écoutez, parce que visiblement, bon, ça c'est ce qu'on appelle faire des pranks qu'à moitié, parce que évidemment, quand je suis parti, il n'y avait rien, et là quand je revois, il y a quelque chose. Vous voyez ce que je voulais... Vous voyez ce que j'ai dû absenter juste pour vous montrer le reste et puis je me retrouve avec ça. Donc ouais. Ok, bon on va enlever tout ça et puis donc Bon mais maintenant on se retrouve dans le Nether maintenant que j'ai fini ça, oui parce que la netherification de ma base c'était. Bah c'était Ouma parce que monsieur il m'a dit elle veut pas de. Parce qu'il voulait pas tout simplement de. Voilà, de chemin dans le Nether, et ben alors que moi j'en avais faim. Vous savez ce fameux chemin là, voilà, il voulait pas, il voulait que ça parte à l'aventure, tout ça. Oui, seulement le problème c'est que c'était bien gentil pour aller mes portes chez lui, pour le moment c'était assez compliqué à y aller, parce que c'était forcément, je relis que les plus proches, après pour la gare, bah, à la fois une prank et une vengeance. Alors, vous allez voir ce qu'il doit rester, je crois encore, 2-3 trucs. Dites-vous que j'ai dû pas mal enlever, j'ai passé à peu près une demi-heure dessus. J'ai essayé de remplacer les torches à peu près comme j'ai pu. Je sais qu'il va falloir changer. Regardez, j'ai oublié des blocs en plus là-haut. Enfin, je replace d'ailleurs la barrière que j'ai parmi. Enfin, je vais avoir pas mal de petits trucs à faire en attendant pour le prochain épisode. D'ailleurs, bon, on va maintenant retourner à ce que j'étais censé faire dès le début. C'est-à-dire qu'on va aller au spawn parce qu'il s'est passé des parce que j'ai rushé un petit truc assez rapidement. Donc en fait j'ai connu une première séquence, vous voyez elle a été prête et tout, j'étais en train de faire mon montage, super l'épisode va sortir, et il fait va voir j'ai fait un truc, j'ai fait ok. Et donc forcément au début si vous voulez il a fait que la lame de lave, donc je me suis dit bon bah c'était juste ça, un petit truc sympa. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en fait que moi comme je suis toujours plus en avance que lui, si vous voyez ce que je veux dire, et bah forcément je me suis retrouvé avec et bah, une prank encore plus gigantesque, voilà, de lave, voilà, enfin je veux dire, un truc de lave, enfin la nidification de mon...
Parce que dites-vous qu'il y avait plusieurs rivières de lave, il y avait même le... Bah, là, il pisse, par exemple, il pissait de la lave, il pissait... Bah, c'est sûr que c'est plus réaliste, on va dire, de pisser de la lave que de pisser de l'eau. C'est-à-dire que quand on pisse de l'eau, enfin, quand ça pisse transparent, c'est qu'on a bu trop d'eau, et puis quand ça pisse jaune, d'habitude, à une certaine couleur jaune, c'est que... Bah, c'est que ça évacue de manière normale les résidus qu'on a dans l'organisme, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, on va changer de sujet, on va dire, bah non, voilà, si donc, ce que j'ai reçu en quelques jours, tandis que il y a aussi une espèce de forêt, donc ça c'est pas moi, c'est Griffer, on ira voir ça juste après. Voici donc, c'est une petite machine, là, c'est ça, en fait c'est une machine qui est en... En fait c'est 4 modules indépendants, on appelle les grandes pousses avec petite bannière et tout. C'est ce qu'on appelle, voilà, c'est pour avoir des fleurs, enfin les grandes fleurs. Comment ça marche, tout simplement, on appuie sur le bouton. Ça envoie, ça utilise la poudre de squelette. Et ensuite ça fait remonter par un petit hopper, voilà, dans le coffre qui est là-dessous. Bon, le module c'est pas compliqué, il y a donc, vous pouvez voir donc en dessous de l'herbe, il y a donc un mini-cart avec hopper. Parce que sinon si je voulais aspirer avec un hopper directement, je serais obligé, ça fonctionnerait que sur des dalles. Sur des dalles au maximum et pas, où, non et encore sur des, non. Au maximum, c'est juste que c'est des... la NES, non, c'est la sous-le-sande, voilà, des blocs de sous-le-sande, que j'ai oublié d'enlever d'ailleurs. Et après, bon, il y a un rail qui est en dessous, plus après, ben, il y a deux hoppers qui amènent jusqu'à un dispense, jusqu'au dropper qui est au-dessus, qui lui est relié au coffre. Après, c'est un petit système réaction à la con, vous voyez, et puis là, ça, c'est le bouton qui amène, voilà, au dispenser, qui a donc, vous voyez, il y a pas mal de poudre d'os dedans, ça pourrait tenir un petit moment. C'est pas forcément le truc le plus utile, mais au moins ça permet de combler un peu le vide ici. D'ailleurs que Griffer a pas mal comblé d'ailleurs, parce que monsieur m'a dit qu'il avait besoin de bois. On ira voir ça après, parce que vous pouvez voir qu'il y a énormément de plus de boulot, hein, comme quoi il y a du boulot, ça je peux vous dire qu'ils en ont, et ils vont en avoir aussi également. D'ailleurs, petite parenthèse avec Mimi Louf qui nous a fait le Memelouf, voilà, vive le Memelouf. Oui, parce que j'ai fait un truc à faire en rapport avec Fanta et Bob, et puis voici donc la réponse de Mimi Louf. Un champ de vache juste à côté de Chouma d'ailleurs. Pas mal. On va aller donc voir d'ailleurs ce qu'on sont en train de nous préparer Griffer et Killer. C'est un système qui est assez énorme, ça je peux vous l'assurer, parce que dites-vous que c'est un système qui va en plus tester vraiment la surcharge, la charge du serveur, pour savoir jusqu'où il peut aller. C'est en fait, quand vous expliquez ça, c'est une espèce de machine de tri assez gigantesque. D'ailleurs, ils m'ont demandé un petit service, d'ailleurs, bon ça, on fera ça quand ils auront un peu plus adapté, parce qu'ils doivent bouger le... on appelle ça justement le beacon, doivent bouger justement le beacon, doivent le mettre un peu plus profondément pour que je puisse faire une petite manipulation, on verra ça le moment venu. Tandis que voilà, dites-vous que ça d'ailleurs je pensais à dire d'avoir pour la saison 4, ça c'est un petit spoil, ça apparemment, il veut essayer, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il veut l'essayer de le refaire mais en version avec le, enfin tout ce qui va avec, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut dire un bon paquet de blocs. Ouais, ça veut. Pourquoi pas. Bon après si je suis sûr qu'après se trouve le terrain pour ça, moi j'y. Ouais. D'ailleurs je pensais dire en parlant de surcharge serveur, c'est pourquoi il parlait de ça. Parce que justement, faut savoir que j'ai prévu, enfin, pas au début, c'était plutôt un petit système redstone assez simple. Enfin en tout cas, que j'ai testé en 1.12, que j'ai reconverti en 1.13, que j'ai réussi que je pouvais resimplifier de manière à pas qu'il puisse me gruger. Et que je pouvais transformer en fonction. Le problème c'est que. Il y a un bug en 1.13, vous avez pu voir même d'ailleurs sur la vidéo d'Aurélien Sama, et même je l'ai même posté sur Twitter, n'hésitez pas à voir d'ailleurs sur Twitter de quel bug je parle précisément pour savoir de quelle fonction je veux parler aussi. Et d'ailleurs, on va reprendre le sujet, et voici donc ce qu'ils sont en train de faire. C'est une machine à trier, tout simplement, on va voir que ça ici c'est des modules identiques. Ça sert à quoi? Tout simplement ici, ben, c'est pour trier, voilà, donc simplement des éléments de... Voilà, c'est vraiment... C'est un stockage, un système de stockage ici. Il y a un système qui est beaucoup plus complexe juste en dessous. Regardez déjà comment c'est creusé. Et quand je vous dis que vous avez besoin de bois et de fer, vous voyez tous ceux qui coulent le père, voilà où il passe. C'est même pas fini. Regardez, ce que vous voyez là, l'espèce de gruyère, c'est des trucs qui étaient naturellement dedans. C'était un véritable gruyère, leur base avant, et vous pouvez voir, regardez, il y a l'eau, voir qu'ils ont dû bien mettre ça, parce qu'il y a de l'eau en fait à peu près ici, et l'eau est descendue quand même assez profondément. Et franchement, ben, c'est pas mal rempli, Ils avaient dit qu'il y avait pas mal de cobble. Regardez, déjà ça avec la cobblestone déjà. Je crois que c'est rempli jusqu'à fond là-haut, je crois. C'est ce coffre-là. Si j'arrive à l'atteindre, attendez. Ouais, c'est par là. Ah oui, non, mais il est plein, il est même plein au max. Il est même full, je crois. C'est pas possible. Ouais, regardez, déjà, ça commence déjà à être... Bon, en même temps, vu tout ce qu'ils récupèrent, à creuser là-dedans, ça ne m'étonne guère qu'ils ont déjà tout ça. Mais sachant que je filme bien en avance,
C'est pas pour ça que j'ai dû refilmer la séquence que je voulais filmer, parce que avec la blague de Mumelouf et d'ailleurs ce qui s'est passé chez Killer, parce que voilà, bon bah finalement chacun a pu faire sa prank. Ils ont d'ailleurs qu'il y en a une en cours chez Amol d'ailleurs, auquel j'ai tourné une petite séquence. N'hésitez pas à aller voir ce que ça donne, même si je sais qu'il est en train de tourner à 15 FPS, c'est vrai que c'est vraiment pas de chance. En même temps, on tourne pas sur Minecraft avec un PC portable, je sais qu'il y a certains youtubeurs qui l'ont fait, mais c'est pas ça qu'ils ont en général, ils ont des bonnes cartes graphiques, c'est pas des cartes graphiques qui sont conçues vraiment, vous voyez, qui sont vraiment très faibles. Mais vraiment, voilà, sinon à part ça, c'est vrai que... On vous conseille une bonne machine pour jouer sur Minecraft, ne jouez pas avec un PC portable, c'est tout ce que je vous conseille. D'ailleurs, je vais me décoyer à ma base en essayant de pas me faire prisonnier comme vous avez pu voir au début de la... Juste après la séquence, parce que je voulais d'abord, je me suis décoyer à ma base. Je voulais aller au machin, je me suis retrouvé avec la lame de lave. Après, j'ai voulu faire la séquence, je l'ai tourné comme il fallait, vous voyez, pas la manière dont je l'ai fait. Et au moment où je fais mon montage, il y a Oma qui fait « Attends, viens voir, j'ai fait un truc », et effectivement, c'est parce que... Comme il fait pas ça forcément aux mêmes heures que moi je tourne, alors forcément il y a un putain de décalage et j'ai pu remplir mes coffres comme ça quoi. D'ailleurs ça c'est pareil, j'ai dû le prendre au spawn parce que justement j'ai fini ma séquence au spawn la précédente et voilà j'ai pu pouvoir passer un peu de temps à démonter tout ce bordel. Bon, elle est beaucoup plus longue cette vidéo et beaucoup de pranks en voiture, voilà. Bon, mais moi, je vais vous laisser, tandis que je dis un petit coucou à Coco. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao !